Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, on va parler de Thor 4, Love and Thunder, je crois, je sais plus comment il se prononce, enfin, on va parler de Thor 4. Moi, j'ai kiffé le film. Je ne sais pas pourquoi il a été descendu, flingué. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur et un gros coup de cœur Marvel. J'ai vraiment passé un super moment. C'est plutôt frais, mais quelle expérience. Moi, j'ai adoré et c'est un film qui se prend pas au sérieux. Il est très, très, très fun. Très, très kikou, beaucoup de couleurs, coloré, ça change un peu des Marvel et tout. Je l'ai même préféré, comme quoi les goûts, les couleurs, je l'ai même préféré au Doctor Strange 2. J'ai vraiment adoré, l'expérience en 3D en Dolby Vision était juste ouah, sublime. Je l'ai commandé en Steelbook 4K en France parce que, et je l'ai commandé en 3D du Japon. Donc on peut l'avoir qu'en 3D au Japon. Expérience 3D de malade. Moi j'ai adoré Thor 4. J'ai Thor 3 et je ne l'ai pas vu parce que c'est le même réalisateur. Il faut vraiment que je me tape Thor 3 et Thor 2, je crois. Une honte, je ne l'ai même pas vu.